Des universitaires et des officiels de Chine et des États-Unis sont attendus au dialogue stratégique et économique sino-américain. Ce rendez-vous devrait favoriser le resserrement des liens économiques entre les deux pays. 明年这个时候，美方的新总统上任之后。 Il est possible qu'à cette même époque, l'année prochaine, le nouveau président américain n'aura pas encore entièrement formé son gouvernement. Ce dialogue se concentrera sur les questions à long terme plutôt qu'à court terme. Je souhaite que certains principes puissent émerger de ce dialogue, des principes que le nouveau gouvernement pourra suivre. Le gouvernement actuel peut définir certains principes, des principes qui éviteront des erreurs au nouveau cabinet. Concernant le traité bilatéral d'investissement, il est de l'intérêt de la Chine comme des États-Unis de réaliser des avancées. Nous avons entendu et espérons de voir à quoi la nouvelle liste négative ressemblera. Je pense que les mois restants à ce gouvernement sont un moment idéal pour doubler la mise, faire des progrès et atteindre la ligne d'arrivée ou tout du moins s'en rapprocher.